Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du musée du Touquet Paris Plage. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une artiste femme, Marie Duhem. Alors, Marie Duhem est née en 1871 dans le Pas-de-Calais, c'est donc une artiste de la région. Elle s'intéresse très tôt à la peinture, elle suit d'abord des cours à Paris et ensuite elle rejoint le peintre Adrien Denon à 800. Donc c'est là qu'elle rencontre son mari, Henri Duhem, qui est lui aussi peintre, et ils vont s'installer ensemble à Douai et travailler ensemble. Ils auront un fils Rémi qui sera lui aussi artiste. Donc, tous les étés, Henri et Marie Duhem rejoignent le peintre Adrien Denon à 800, et donc on parle d'école de 800 pour ce rassemblement, et on utilise vraiment le terme d'école ici, puisque Adrien Denon fait office vraiment de professeur. Donc on voit que tout le littoral de la Manche a été sollicité par les artistes, et pas seulement Étaples. Donc Marie Duhem sera aussi énormément influencée par le Sidaner. Donc comme lui, elle peint des œuvres au caractère intime, avec une palette qui tire vers le sombre, les ocres et les bruns, et une touche qui est proche des impressionnistes. Alors Marie Duhem sera énormément reconnue aussi à Paris, elle va exposer dans des salons ou à l'exposition universelle de 1900, où elle obtiendra une médaille. Elle et son mari sont aussi de grands collectionneurs et des mécènes pour leurs amis artistes. Alors Marie Duhem peint énormément le paysage de plein air, donc c'est ce qu'on peut voir ici. Donc ici nous avons Jardin de campagne, une œuvre qui a été réalisée au début du XXe siècle. Et ici nous avons la maison d'été du couple qui se situe à Camus. Donc ici on a vraiment une œuvre au caractère très intime puisque c'est la maison du couple et de la famille. Et aussi c'est un lieu qui est vraiment le témoin de bonheur familial et un lieu considéré comme un havre de paix. Henri Duhem écrira beaucoup sur cette maison à la fin de sa vie. Donc ici, la maison est vraiment une maison typique du Boulonnais au niveau de l'architecture, mais ici, ce qui est important, c'est vraiment le paysage, le jardin, et le thème préféré de Marie Duhem, ce sont les fleurs, et c'est ce qu'on voit ici, puisqu'elles sont vraiment énormément mises en valeur, elles sont en premier plan, et elles prennent beaucoup de place sur cette œuvre. Donc ce n'est pas la seule œuvre de Marie Duhem sur leur maison, on en aura plusieurs, ce qui montre que c'est vraiment un lieu très apprécié et très important pour la famille. Alors merci à tous d'avoir suivi notre série tout au long de l'été et peut-être à bientôt pour de nouvelles vidéos.